Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine malgré qu'il fait mouille, il fait noir. Ah, c'est frisquette, vraiment l'automne là, est arrivé là. On est vraiment dedans, hein, parce que là, on le sent vraiment. Puis on regarde la température, j'ai regardé là, puis annonce de la mouille comme ça toute la semaine, ça va être dépressionnant, assez assurément. Écoute, j'espère quand même que t'es de bonne humeur, puis il faut, parce que, tu sais, quand t'es la personne qui fait l'épicerie à la maison, qui fait les commissions, qui fait les soupers, on est des poteaux terriblement importants pour la famille. C'est important qu'on garde le moral, puis qu'on montre l'exemple, en fait, en ayant le sourire, puis en profitant des petits moments qui passent, parce que c'est ça, le bonheur, hein? Puis là, on nous reste avec les petits moments, fait qu'on est aussi bien d'en profiter au maximum. Écoute, j'ai pris le temps pour toi cette semaine de regarder là, entre le 15 et le 21 octobre, imagine-toi donc, dans les épiceries qu'on n'a pas le choix d'aller, là, IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Donc, avant de commencer, c'est sûr que je t'invite à t'abonner à la circulaire de Papa Popote. Parce que de cette façon-là, tu es sûr que le mercredi avant 18h, tu vas recevoir dans ton courriel la circulaire de Papa Popote où j'identifie là, les vrais meilleurs rabais là, de toutes les épiceries. Donc, dans une circulaire, tu t'en trouves à voir toutes les vrais meilleurs rabais. Puis cette semaine, honnêtement, là, s'il n'y a pas beaucoup de rabais, là, des vrais rabais, là, les circulaires, c'est sûr qu'ils sont comme d'habitude. Mais quand j'essaie d'identifier les vrais rabais, là, cette semaine, vraiment, là, c'est rare que je peux dire comme ça qu'il n'y a pas plus de rabais que ça. Là. Tu vas voir, mais quand même, tu es sûr, dans l'article de Papa Popote, qu'il y a les vrais rabais. Fait qu'on pense tout de suite, hein, pour te donner le goût de t'abonner à la circulaire de Papa Popote puis de m'encourager, avec IGA. Écoute, chez IGA, cette semaine, tu as le bœuf haché extra maigre. Hein? Ou bien le beefsteak français, déjà tout coupé, là, très sec à faire, mettre ça dans le beurre un petit peu de margarine, et faire cuire ça à 3,99 la livre, ou si tu préfères 8,80 le kilo, toi. Hein? Pour du bon bœuf comme ça, ça c'est sûr que c'est fantastique, surtout le bœuf haché, là, extra maigre, c'est super. Aussi, chez IGA, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, les côtes levées de dos. Écoute, hein, ça là. À 3,99 la livre aussi, ou 8,80 le kilo. Pour le dos, tu sais, c'est pas les flancs, il y a moins de viande. Les dos sont plus charnus, beaucoup plus grosses. Donc, il y a plus de viande aussi. Ça, là, c'est super facile à faire, ça, dans le fond. Parce que, tu sais, quand on fait ça, si on fait, on met ça direct au four comme ça, c'est sûr que ça va être raide, cette affaire-là. Moi, je te propose vraiment des faire bouillir. Hein? Des faire bouillir dans l'eau salée. Tout simplement, ben simple. De l'eau avec du sel, tu sais, pas un petit peu de sel, là. C'est une grosse cuillère, un gros chaudron, là. Grosse cuillère à soupe de sel là-dedans, quand il bouille. Puis là, tu laisses ça, là, jusqu'à temps que tu vois que l'os, là, il commence à bouger, puis il peut se détacher. Hein? Pas qu'ils deviennent, tu peux les enlever tout de suite, parce que sinon, quand tu vas venir pour enlever ça de l'eau, là, ils vont tous se défaire. C'est bon, pareil, mais quand même, tu veux garder quand même la belle côte pour que ça fasse une belle assiette, c'est quand même, fait que t'es fait pas trop bouillir, mais t'es fait bouillir juste suffisamment pour que ils viennent tendre. Puis après ça, là, tu peux y mettre la saveur que tu veux, soit une petite sauce déjà faite, ou moi, j'ai ma petite recette de Barbie Burn qui n'existe même plus, là, à Montréal. La recette de Barbie Burn, j'avais connu quelqu'un qui avait travaillé là, il m'avait donné la recette, puis je l'ai fait, puis c'est sûr que je l'ai faite dernièrement, là. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas faite, c'est super bon. Mais tu peux faire aussi des spirits, là, tes coupes en doigts, tes fabouillés, après ça, tes coupes en doigts, puis là, tu les mets en sauce noire VH, là, pour ça, à spirit. Puis écoute, ça te fait un petit spirit avec un petit riz. Tu te fais un petit gros chinois avec ça. Ça peut être très, très bon, écoute. Tu sais, chez IGA aussi, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, c'est super, ça. J'ai commencé à goûter à ça, je disais, c'est cher. C'est ce que normalement, ça vaut 10$. Là, il est en spécial à 7$. 6,99$, c'est 130 grammes. Que ce soit du thon, du saumon, des pétanques, t'as même du bœuf. Puis c'est le fun, parce que c'est vrai, avec ça, là, tout ça, tu fais des tartares avec ça. Ou tu peux faire des sushis avec ça, OK, des makis, là. Là, c'est facile parce que tu n'as pas besoin de préparer rien, là. Tu mets ça dans un bol, ça sera tout en petit cube parfait, là, tu sais, identique, super. Tu peux manger ça à grosse cuillère comme ça, là. Tu mets un filet d'huile là-dedans, un petit peu de un zeste de citron, un petit peu de jus de citron ou de lime, puis avec un petit peu de coriandre, tu mets ça, tu mélanges ça, toi, puis tabarnouche, c'est bon. Tu peux te faire avec, tu peux même mettre de la pulpe d'orange là-dedans, tu mélanges ça. Écoute, j'en parle, puis c'est excessivement bon, puis
Tu peux te faire bien sûr des makis avec ça. Donc, au lieu d'acheter du saumon, puis tout, ça là, c'est dans le congélateur. Mais ça, tu l'eau 10 minutes à l'eau froide, là. Puis là, tu t'en sers tout de suite. Tu peux t'en faire. C'est merveilleux. C'est frais, puis c'est vraiment bon. Et écoute, moi, avec ça, je peux me faire deux bons makis, là. Ça veut dire à peu près 20 morceaux, là. 20, 24, tout dépendant de la grosseur des morceaux, là, que je vais faire l'épaisseur, mais je fais à peu près ça en 10 et 12 makis par rouleau. Fait que tu peux faire au moins deux rouleaux avec ça, fait que ça ne t'en vient pas cher le rouleau quand même, hein, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, le saumon, pareil, dans les maquis comme ça. Fait que écoute, je te le propose, c'est vraiment super. Fait que écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, chez Maxi cette semaine, ben t'as les poitrines de poulet désossées toutes, okay? Okay? C'est des paquets de 4 filets, ils ne marquent pas le kilo, ils marquent 8 piastres. Donc, ça revient à 2 piastres du morceau. Idéalement, tu sais, le spécial, là, c'est pour 1 kilo, c'est 8,80. OK? Donc, à 8 piastres, on s'attend qu'il y ait au moins 1 kilo. Mais tu sais, ça peut être... Regarde, là, c'est des petits morceaux de rien, là. Pogne-les, va le peser. Tu sais, pas le plus gros morceau que tu passes, là, tu sais, là. Tu t'envoies avec ça directement aux fruits et légumes, tu le mets en balance. Puis, si ça pèse 1 kilo et plus, t'achètes ça. Si ça pèse en bas de 800 grammes, là, c'est pas un gros rabais, là. OK, ça c'est sûr, mais à 1 kilo, ça commence à être vraiment intéressant. Et plus, là, c'est sûr que là, t'es winner, ça c'est certain. En tout cas, c'est chez Maxi qu'il y a le poulet comme ça désossé le moins cher cette semaine. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, du bon bacon maple leaf, toi, 375 grammes, écoute, pour 2,66. Du bacon, 2,66 maple leaf, toi. Hey, là, attention, là, la semaine passée, il était quoi, en spécial à 3,50? Ben, 2,66, le même paquet, là. Et là, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment le top prix. Surtout pour des petits paquets comme ça, là. Wow! Vraiment, là, c'est pas cher pour du bon bacon. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, il était des patates, hein? Parce que là, avec les protéines, ça prend un petit féculent, quelque chose là, d'intéressant. Donc, les patates, 10 livres de patates, 10 livres, pour 95 cents. C'est pas, c'est vraiment pas cher, là. 95 cents, 10 livres. Normalement, 10 livres de patates, là, sur le prix d'un régulier, là, c'est 199 à 6,99, hein, normalement, à peu près. Donc là, même pas une pièce, c'est pas 10 livres. On s'est entendu que tu peux en acheter deux paquets, même si tu en jetterais quelques-unes. ça coûte tellement rien. Fait qu'écoute, tu sais, là, c'est chez Maxi que ça se passe. Puis c'est ça qui est ça, chez Maxi, cette semaine. Mais il faut voir la circulaire de Papa Popote, là, il y a d'autres choses. Continuons tout de suite avec Métro. Écoute, chez Métro, cette semaine, tu as le rôti français. Rôti français, toi, 3,44 la livre, ou si tu préfères, 7,58 le kilo. Super, petite poitrine, facile, pas cher. Tu peux faire des cubes, des lanières, des tournes d'eau avec ça. Tu peux le laisser en rôti, puis te faire un rôti dans le four. Tu le saisis un peu, mets ça dans le four, toi. Tu sais, puis ça te fait super facile, puis surtout pas cher. Ça, c'est sûr. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on retrouve? Écoute, des côtelettes de porc désossées. Tu sais, la belle partie, là, à 2,44 la livre, ou si tu préfères, 5,38 le kilo. On l'a déjà vu à 2,99 la livre, là, c'est un spécial, ou même à 1,99, ça, c'est gros spécial, mais à 2,44 la livre, là, vraiment, c'est un très bon spécial. Puis c'est facile, là, puis c'est une protéine fantastique, puis ça, c'est bon réchauffer, ça. Tu sais, tu le mettons, je le saisis, je le mets dans ma petite sauce au ketchup, je mets ça au four. Puis après ça, s'il reste des chops, mets ça dans le frigidaire comme ça, puis après ça, tu pognes ça, là. Tu en prends une chop ou deux, mets ça dans une assiette avec un petit peu de sauce au ketchup. Là. Puis tu mets ça dans le four micro-ondes. Tu y vas à coup de 30 secondes, une minute, tu veux juste le faire chauffer, il est déjà cuit. Juste le faire chauffer. Si tu le mets 2 minutes et demie, il va... Il est sec, sec. C'est pas ça que tu veux. Tu sais, juste. Le four micro-ondes, là, c'est le fun quand tu sais t'en servir. Le four micro-ondes, non, moi, on s'en sert principalement pour réchauffer. On ne cuit pas grand-chose là-dedans, honnêtement. Là, c'est juste pour réchauffer. Fait que, tu sais, c'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Puis quand, mettons, tu as des plats où tu peux brasser des choses, c'est une côte comme ça, ça on ne brasse pas ça. Là. Mais fait que, on laisse 30 secondes, on la bouge un peu, on y touche, OK, ça, c'est chaud, OK, un petit coup, 15 secondes. Ça coûte 15-20 secondes comme ça. 30 secondes maximum. Tu y vas à coup petit comme ça, puis tu vas t'en sortir avec quelque chose qui est juste chaud, parfait, puis qui n'a pas séché. Ça, c'est le petit truc que je te donne. Les côtes de porc, c'est les moins chers, c'est chez Maxi cette semaine. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute,
Du beurre de pinot. Ben oui, 1 kg de beurre de pinot pour 3,77, ça, c'est quand même pas cher. Puis c'est le fun parce qu'avec ça, tu peux te faire des biscuits, tu peux te faire des muffins, tu peux te faire des toasts au beurre de pinot. Ça, c'est sûr, tu peux manger ça à grosse cuillère aussi. Qui mange ça à grosse cuillère, c'est des pinot. Hein? Fait que c'est crémeux, c'est sûr que c'est nourrissant les pinot parce que c'est gras, là, c'est certain, là. Tu manges pas ça à grosse cuillère, là, d'habitude, parce qu'il y a bien des calories là-dedans, mais il y a aussi des protéines. Puis c'est soutenant, c'est des pinot. Tu sais, c'est tout intéressant d'avoir 1 kg de beurre d'épinette pour pas cher comme ça. C'est fantastique. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça, toi, pour chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, cette semaine, le rôti d'intérieur de ronde à 3 piastres, 2,99, pas loin, 3 piastres la livre, ou si tu préfères, 6,61 le kilo, toi, pour le pot rôti. Ça ressemble étrangement au rôti français. Hein? En fait, c'est la même partie, là. Ça dépend comment ils le mettent, ils le préparent, est-ce qu'ils le mettent, ils le bardent, est-ce qu'ils le ficellent. Mais c'est pas mal l'intérieur de ronde de toute façon. Fait que tu vois, la 3 piastres, la livre, c'est pas mal là qui est le moins cher chez Provigo. Ou 6,61 de kilo, là, ça va être du bon sens. Encore là, tu peux faire des tournedos, des lanières, des queues avec ça. C'est vraiment la protéine la moins chère. Dans le bœuf, ça c'est clair. Aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, les pilons, les os de cuisse de poulet, là, tu sais, là, avec la peau, là, c'est tout, là. Tu veux faire un petit souper, là, style rôtisserie, puis avec les os, tu te fais une soupe, là, ben écoute, à 2 piastres la livre, ou si tu préfères, 4,41 le kilo, hein? Ça, c'est vraiment le poulet le moins cher cette semaine, là, comme ton filet, comme chez Maxi, tantôt, je t'ai dit, là, il y avait les poitrines de poulet, tu sais, toutes désossées, puis tout, mais tu sais, si on parle du poulet pas désossé avec la peau puis l'os puis tout, c'est vraiment chez Provigo qui est le moins cher cette semaine à 2 piastres la livre pour les pilons ou les os de cuisse de poulet, donc tu sais. Aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, le bœuf haché mi-maigre. Hein, tu as l'extra maigre chez IGA, mais tu as le mi-maigre chez Provigo à 3 piastres la livre, ou si tu préfères 6,61 le kilo. Donc, ça a l'allure, là, c'est 3 piastres la livre, là, tu sais, normalement, on a des fois du maigre à ce prix-là, mais là, c'est du mi-maigre. Tu sais, c'est un peu intéressant, là, tout dépendant de ce que tu veux faire avec du mi-maigre. Des fois, c'est ça que ça prend dans les recettes. Donc, c'est là qui est le moins cher, en tout cas, cette semaine, pour ce qui est du bœuf haché mi-maigre. Tu sais. Ben écoute, c'est ça qui est ça, toi, pour chez Provigo cette semaine. Donc, continuons et finalement avec Super C. Écoute, chez Super C cette semaine, tu as le porc haché extra maigre. Ça, là, 2 piastres la livre. 4,41 kilos, hey, de te faire des wontons, c'est le temps. Parce que là, c'est 2 piastres la livre là, pour tout, hey, du bon porc haché comme ça, extra maigre. Super, tu mets un œuf là-dedans, quelques épices, tu te fais une genre de pâte. Là, tu te fais, j'ai ma petite recette, tu peux aller voir là, disponible là, sur le site de Papa Popote, les wontons, ça t'en vient à peu près à 15 cents le wonton. Ça, c'est pas cher. Puis quand j'en fais, moi, je m'en fais à peu près 200. Alors qu'on arrête de niaiser avec ça. Puis là, j'ai fait tout congeler à part. Là, puis là, quand j'ai mis dans les sacs, après ça, je peux juste sortir le nombre de wontons que je veux pour le souper. Fait que ça devient super facile. Puis je peux m'en faire. Je peux faire une soupe avec, mais je peux faire des cannelles aussi. Les faire venir dans l'huile. Puis tout simplement comme ça, avec une petite sauce, là, hoisin, quelque chose. Là. Ça peut être assez débile mental. Merci pour ce qui est des wontons. Qu'est-ce qu'on trouve chez Super C aussi cette semaine? Écoute, le rôti de côte croisée. Hein, ça ressemble à un rôti de palette. Mais c'est un rôti de côte croisée, puis il est 3,44 la livre. Ça, c'est pas cher. Ou si tu préfères 7,58 le kilo. Ça, pour une belle qualité comme ça, c'est certain, tout désossé, là. Fait un pot-au-feu, là. Ah, ça va être dans cet incite, hein? Les petits soupirs réconfortants, as-tu besoin de te faire réconforter? Surtout quand il y a une température comme ça, en plus, c'est vraiment, là, c'est double-double. Fait qu'écoute, tu sais, là, c'est les petits repas réconfortants le moins cher chez Super C cette semaine. Et finalement aussi, chez Super C, qu'est-ce qu'on trouve? Ben écoute, la poitrine de poulet avec l'os. Donc, t'as la peau, les os et tout, là, pour 2,49 la livre, ou si tu préfères, 5,49 le kilo. Donc, c'est pas le poulet entier, là, mais c'est la poitrine. Donc, tu sais, oui, là, pour 2,49, tu as la poitrine, puis pour 2 piastres chez Provigo, ben, t'as, dans le fond, le pilon, puis les os de cuisse, tu sais. Tu peux le rassembler comme ça si tu veux. Mais juste, écoute, juste la poitrine, c'est super, là, tu t'en fais, là. Normalement, ça va être des paquets de 2 à 4. Et tu t'en fais, là, moi, ça rentre dans ton four, là, je peux mettre 2 liches frites là-dedans, pour en mettre entre 6 et 8, tout dépendant de la grosseur. Moi, je remplis le fourneau quand je fais ça, c'est sûr, tant qu'à l'ouvrir,
Attends, tu l'ouvres pour un ou tu l'ouvres pour suite, c'est le même prix là, en électricité, puis tout, puis en vaisselle. Faut y penser à ça, hein? Le temps que ça te prend, là, laver tout ça. Fait que tant qu'à faire, t'en fais pour de vrai. Puis là, t'as un bon souper tout de suite, puis après, le temps là, puis les fous, puis les fêtes, oui, là, toute la semaine, pour faire d'autres petits soupers rapides, des petits lunchs, des salades, des ci, des ça. Des soupes avec les os, la carcasse, écoute. Vraiment, là, c'est vraiment de protéines, là, tu sais, qu'on perd à rien, là, tu sais, on utilise tout, tout, tout. Puis à ce prix-là, 2,49 la livre, ou si tu préfères 5,49 le kilo, c'est vraiment pas cher, hein? Fait que profites-en au maximum. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Super C cette semaine. Mais je t'invite vraiment à t'abonner, hein, à la circulaire de Papa Popote pour rien manquer des vrais rabais de la semaine dans les épiceries, là, IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Moi, vraiment, là, le mercredi, tu reçois ça dans ton courriel. La circulaire de Papa Popote. Puis en plus de ça, ben, que tu fais beaucoup d'argent, beaucoup d'économies, de temps et de connaissances que je te donne, dans le fond, parce que moi, je te donne mes connaissances, là. Ça vaut quelque chose. Mais en plus, tu m'encourages. Puis ça, ben, c'est pas rien de m'encourager, ça, c'est certain. Puis si tu veux m'encourager encore davantage, ben, tu peux t'abonner à l'abonnement VIP de Papa Popote, où là, tu peux télécharger les vidéos. Tu as les 10 rabais de la semaine qui reviendront pas, les 10 rabais qui reviendront pas la semaine prochaine avec le PDF qui vient avec ça, les audios, quelques recettes, tu sais. Puis ben écoute, ça m'encourage encore plus, ça c'est sûr. Fait que, écoute, n'hésite surtout pas à m'encourager, puis à faire des belles économies, puis à t'aider, aide-toi, puis essayer de t'aider, comme on dit. Fait que, écoute, laisse-toi aider un petit peu pour le peu que ça peut te coûter, là. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.